Bienvenue sur ma chaîne. On se retrouve encore pour une petite démonstration d'un jeu de Mademoiselle Lenormand. Ce sera pour une démonstration pour un jeu que principalement tout le monde connaît. C'est le Piatnik de Mademoiselle Lenormand. Donc voilà. C'est un jeu tout simple que j'aime beaucoup, qui est facile, très facile aussi pour les débutants, sauf que pour les débutants, il n'y a pas le nom de la carte sur la carte. Donc voilà, donc il se présente dans une belle petite boîte en carton qui est bien sûr qui s'abîme aussi. Mais ce n'est pas... Je l'ai utilisé tout un temps et puis non, je suis revenue au mien. Voilà. Mais c'est vrai qu'il n'est pas mal. Il n'est pas mal. Je trouve que voilà, il est pas mal, il est joli. Le dos des cartes est joli. Il peut se renverser, mais le Normand ne se travaille pas à l'envers, donc ça n'a pas d'importance. Maintenant, il est livré. Il y a le petit manuel d'explication dedans, en français aussi. Donc voilà, c'est bien aussi pour avoir un minimum, vraiment un minimum d'explications. Mais bon, et c'est vrai que la boîte, on peut toujours le dire, il y a la petite encoche pour mieux prendre les cartes. Ce qui n'est pas négligeable non plus, parce que c'est vrai que pour sortir les cartes parfois de ces boîtes, de sa boîte, c'est pas toujours évident. Donc voilà, moi j'avais envie donc de vous montrer, ben, comme d'habitude, la petite revue des 36 cartes du jeu. Avec le cavalier pour commencer. Donc ça, vous avez une petite idée. Ben, moi, je vous montre. C'est vrai que je vous montre plein de jeux de Lenormand. Mais moi, j'aime beaucoup Lenormand. Et c'est vrai que comme j'ai les jeux que j'ai, ben, autant faire une petite revue et pourquoi pas en faire profiter ceux qui ne le connaissent pas. Donc voilà, le cavalier, le trèfle. J'ai du bic sur tous les doigts. Alors, le vaisseau, voilà, par exemple, moi j'aime moins parce que c'est vrai que il y avait quand même des gros bateaux comme ça, début 1900, 1940, mais moi, voilà, j'aime mieux un vaisseau plus ancien sur les cartes le Normand. Je trouve que, voilà, ça me parle mieux. C'est comme la maison, mais j'aime mieux le style d'une maison plus... Enfin voilà, il est très beau. L'arbre. Nuage. Celui-là, par exemple, pour un nouveau, pour un débutant, ben, c'est vrai que le nuage ou le bateau ben, peut-être prêter à confusion. Maintenant, c'est vrai que le bateau est tout petit, mais ça peut prêter à confusion. Le serpent. Le cercueil, le bouquet, la faux, la verge, les oiseaux, l'enfant, le renard, l'ours, l'étoile, la cigogne, le chien. Voilà, ça m'ennuie un petit peu aussi, cette devanture. Voilà, c'est la tour. Oui, c'est une tour, mais... pas trop, j'accroche pas. Le jardin, le mont, le chemin, la souris, le cœur, l'anneau, le livre. Par contre, ce livre-là, je trouve qu'il est très parlant. Il a, avec toutes ces petites, tous ces petits
pense bête, enfin ces machins qui pendent, ces marque-pages, pardon, qui pendent un peu partout comme ça fait penser qu'ils débordent, ils débordent de choses à nous dire en fait. La lettre. Consultant ou monsieur. La dame ou consultante. Le lys. Soleil. La lune. La clé. Poisson. L'encre. Et pour terminer, voici la croix. Voilà. Ainsi vous aurez encore vu un petit jeu sympathique que je ne conseille pas aux débutants non plus, quoiqu'il est facile à lire, mais je pense que c'est quand même mieux d'acheter un jeu, de prendre un jeu où il y a peut-être le descriptif au départ de l'image, par facilité aussi. Donc voilà. À bientôt pour une nouvelle vidéo!